Yo tout le monde les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parlera de la SVA qui, comme vous le savez, est la deuxième meilleure AR en ce moment sur le jeu, accompagnée de la MTZ-556. Et comme vous le savez, la SVA, comparée à la MTZ, elle a toujours été forte, car quand vous la jouez en semi-automatique, l'arme n'a quasiment aucun recul, et quand vous mettez des balles à grain élevé, l'arme a d'excellents dégâts. Donc comme vous le savez, elle est jouable en public et ranked. Comme d'hab, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la classe. C'était Kigunin, et bon gameplay à vous. C'est une game brouillard. Fais chier. Fais chier, fais chier. Je déteste les game brouillards. Hein. C'est quoi ce camo? Fuck. Je l'ai jamais vu. Je sais pas d'où il sort, mais... jamais vu ce camo. Largage tactique allié imminent. Bon. Bien calme le chat, les refs. Que se passe-t-il? D'habitude, ça hurle. Là, vous êtes bien calme. Non, mais ça, on va. Ok. Yo, tu chies, j'ai des preuves. J'aime. J'avoue, y'a pas beaucoup de messages. Ouais, c'est calme aujourd'hui. C'est calme. Personne à gauche. En vrai, j'ai pas mal de thunes. Y'a un mec à ma gauche là, normalement. On apprécie ton gameplay? Ouais, je vois ça. Hein. Comment va, Major? On demande un survol de reconnaissance. Un largage tactique approche de votre position. Alors, je vous jure que je n'ai jamais appuyé sur mon bouton pour le drone. Je sais pas pourquoi ça l'a fait pop, mais... la manette est possédée. Je suis heureux à pouvoir supprimer le jeu. Ah, en vrai, supprimer Warzone, c'est un bon choix pour certains. Hein. En vrai, le jeu est dans un état... J'ai une pilote sur ton stream, je joue à Bloodborne en ce moment. Putain, excellent jeu Bloodborne, hein. Tu as kiffé.
Bloodborne aberrant, vraiment. Pourquoi j'ai les pires timings comme ça, frère? C'est une dinguerie. Vous allez être redéployé. Je vérifie les stairs 2-3 fois. Personne ne pique. Et le moment où je passe, il arrive. C'est une dinguerie, frère. Oh, le jeu a 10 ans, mais vraiment, il ressent pas. Ouais, non, vraiment, le jeu est très bon. Moi, c'est moi, Assassin's Creed Valhalla. J'ai jamais joué à Assassin's Creed. J'ai le même problème depuis plusieurs mois, Kigou. Je parlais de quoi déjà, Jace? Je suis une merde, je m'en souviens plus. Du drone? Ah! Ah, je passe, c'est la première fois que ça m'arrive. Genre, en gros, j'ai appuyé pour viser et ça m'a activé le drone, je sais pas pourquoi. Première fois que ça me fait ça. Hein. Ennemi dans la zone d'opération. Je sais pas si c'est la skeuf ou le jeu. Bah moi c'est la première fois que ça m'arrive, donc je dirais que c'est le jeu techniquement. Ça va bien toi Seigneur, comment va? C'est le jeu, j'ai pas de skeuf. Ok bah... Problème résolu. Oh là, en vrai c'est l'SVA bombarde. J'aime. Elle bombarde. POV, t'as bien raison, je vais mettre à 15€. Ne me tente pas. Ah, c'était quelque chose à mettre à 15 balles, hein. C'était quelque chose. Il est monté. Ennemi déployé dans la zone. Surveillez le ciel. J'ai pile le temps. Les
pile. Déjà l'attaque indicateur, il me semble le franchement gravement surpris. Il passe toujours le taf. L'attaque indicateur, en vrai, ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc. Mais c'est pas énorme que j'apprécie, perso. J'entends rien avec son micro. Son micro, je sais pas ce que c'est, mais j'entends rien. Quand t'as monté par-dessus la tiroir à chaque fois, en gros il faut que tu sautes vers la fin. En gros regarde. Là tu prends un tiro et tu lâches. Tout simplement. C'est pas très compliqué, faut juste prendre le coup en main. La vie sur le pénis, ça doit être dur? Non. Bon, ça va. J'ai pas d'autorez. On va acheter une self. Yo Sacha, comment on va? Hop. Alors, j'aurais pas entendu le coffre. Il m'aurait baisé. On a besoin de reconnaissance. 100%. Bah, en vrai, je vais attendre la move, hein. Yo Greg, comment va? Il y a toutes mes classes sur Discord. Or. Par contre, ton camo, tu l'as depuis saison 2, Warzone 2, maintenant il doit sortir de ouf, là. Non, celui-là, c'est le nouveau camo Gundam, Omar. Il date d'il y a une saison, même pas. Enfin, il date de cette saison.
et B. Et re du coup les gens, un très gros top 1 avec la SVA, et comme vous l'avez vu, d'excellents dégâts, peu de recul, l'arme elle est juste ultra polyvalente et très très forte, et du coup voici la classe, on va l'équiper de cette manière. En bouche on mettra le silencieux VT7 Spiritfire, en canon le canon de précision, en lunettes vous avez deux possibilités, soit vous mettez la lunette jack sans verre, soit la core eagle x2,5, les deux sont excellentes mais les goûts et les couleurs, en munitions, les munitions à grain élevé et le chargeur de 60 cartouches. Comme d'hab, si jamais vous kiffez la classe, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre un commentaire, et moi les gars je vous retrouve pour de futures vidéos, c'était Kikunin et portez-vous bien. Yeah.